Bonjour, je m'appelle Céline Afal. Bienvenue dans ma chaîne YouTube Sylph la solution. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui comment faire pour retirer son diplôme de baccalauréat. Après avoir obtenu votre baccalauréat, l'office du bac met à votre disposition d'une attestation provisoire valable pour une durée de 2 ans. Une fois que cette attestation arrive à expiration, vous avez la possibilité de demander à l'office du bac de vous fournir une attestation spéciale qui vous permettra de postuler aux différents concours ou de déposer des dossiers auprès des écoles ou instituts de formation. Qui doit retirer le diplôme? Seul l'intéressé est habilité à retirer le diplôme du baccalauréat. Maintenant, quels sont les documents à fournir pour retirer votre diplôme? L'intéressé doit se présenter en personne, muni de sa pièce d'identité, à l'office du bac. Il doit y avoir une demande manuscrite adressée au recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une enveloppe timbrée à 200 francs CFA portant l'adresse exacte du candidat. En dernier lieu, l'original de l'attestation provisoire. Il peut arriver maintenant, en cas de perte de votre attestation provisoire, vous devez vous munir d'un certificat de perte plus votre extrait de naissance. En cas de perte ou de vol de votre relevé de notes, vous pouvez demander un duplicata à l'office du bac. Il faut noter, en ce qui concerne le diplôme de baccalauréat, il n'y a pas de possibilité de demander un duplicata, car celui-ci n'est délivré qu'une seule fois. Où s'adresser? Vous devez vous rendre à l'office du bac qui se trouve à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté des lettres et sciences humaines, au nouveau bâtiment. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour une autre rubrique. Merci beaucoup.